possibilité d'inspirer. Donc vous êtes plutôt un homme optimiste, malgré tout. Oui, oui, oui. Voilà, on dit optimiste, malgré tout. Optimiste, malgré tout. Du pays, je vais à Barbès. Et en plus, je connais presque tout le monde, tous les disqueurs là. Tous les disqueurs là-bas, bon, je fais. Je vais pour. C'est pas pour retrouver un peu cette ambiance algérienne. Des brochettes et un cœur. Chef Mamie, ouais. on parle de toi dans la GINFO aujourd'hui là. Oui. Ouais, j'ai fait une interview avec ça fait. Non, jours, ouais, mais samedi. Mais on parle de toi encore aujourd'hui sur le succès du Zénith. Ça. Ouais. Zénith. Bon, on a parlé de toi aussi dans le Watan. Ah, mais ça fait plaisir de te voir après des années et des années. Ouais, ça fait. Moi, je l'ai vu au début, hein. Moi, j'ai connu à ses débuts. Hein. Il a souffert au début. Hein. Je me souviens en 85, c'était. Ouais. Quand tout le monde souffre, c'est. Le bien avec Chef Mamie, c'est qu'il a gardé, c'était le plus simple. Sa simplicité, il était très simple. Il a gardé ça. Gardé sa simplicité, sa gentillesse. Tu es à la fois discret mais transparent. C'est-à-dire que tu ne
discret. Tu as vu son mystère, tu n'as pas. C'est pas le j'ai rien à cacher. Voilà. Tout simplement, j'ai. C'est pour ça. Mais je pense que pour. Bon, on a toujours des trucs à nous. Comment dire, de la vie privée, ou la vie. Mais. On n'a rien à cacher, c'est quand on. Déjà, quand on commence à écrire une chanson, c'est déjà raconter notre passé ou notre quotidien, notre vie. On l'a fait, hein. On garde celle-ci. Est-ce que tu peux dire bonne? Au lieu de bonne. C'est le rythme, hein? Bonne. C'est lorsque sa chanson est bonne. Voilà. Est bonne. Voilà. D'accord. Très bien. c'est gros, un bon nez. Mais c'est. On va te donner un bon état. D'accord. Connard. Il est bien parce qu'il est très rythmique, j'aime bien quand même. Ouais, c'est ça. On peut l'écouter. On l'écoute. Bon, ça va. C'est parfait. C'est la première fois que vous venez à Lorraine Non, c'est la deuxième fois. Donc, ça tourne. C'est bon? Ouais. Allez-vous produire devant quel type de public? Alors, quel est votre public en général? Moi, je pense sans doute que ça va être un public jeune. Comment vous voyez cette jeunesse en France, qui est de souche algérienne, comment vous la regardez? Comment vous la voyez? Je la vois, c'est comme... C'est quand même votre public, en fait. Moi, je la vois comme... En France. Non, c'est mon public, c'est tout le monde. Pour moi, la musique grecque, c'est un cri de jeunesse. Vous êtes conscient que socialement, vous leur apportez quelque chose? Vous êtes un phénomène social pour ces gens-là? Et toujours, vous ne faites pas de politique dans vos chansons. Oui. Est-ce que vous en prenez en dehors de la scène, par exemple? De quoi? Bah des problèmes politiques de l'Algérie. Moi, j'aime pas trop parler de politique. Vous ne parlez jamais de politique? Jamais. Que racontent vos chansons? Mes chansons. D'accord. Il y a quelle raison à cela? Il y a une raison à cela? Non, parce que je ne suis pas politicien pour parler, pour développer des sujets politiques. Vous avez peur de l'intégrisme, par exemple? C'est ça qui vous... Thank you.
C'est beau. Quand on est adolescent, c'est beau d'être pour la première fois amoureux. Là, on est vraiment fou amoureux. Je me rappelle ma première fois, c'était de parler avec la fille. J'étais vraiment gêné. Parce que quand on est adolescent, la première fille qu'on connaît, c'est comme si c'est la plus belle fille au monde quand on tombe amoureux pour la première fois. Moi je mange, hein. Guilly, c'est le mal. Je trouve bien. Mami, Hadaraikum. Mamie, pour moi, c'est un espèce de cri d'espoir d'une certaine jeunesse de notre époque. Le mot raï, je le dis avec l'accent de chez nous, c'est raï, effectivement. C'est ma vision, mon opinion avant celle qui nous a été imposée par un système qui a conduit notre pays à faire que des mamies n'ont pas de place à chanter ni en Iran ni ailleurs en Algérie, mais ici, au Zénith. C'est vrai que j'aime l'oreille parce que c'est une ambiance, il y a quelque chose de vivant, il y a une énergie. Bon, il y a ce côté positif. Oui, tu me dis que ce n'est pas ma tasse de thé parce que, effectivement, j'aurais aimé que le contenant rail véhicule autre chose comme contenu. L'oreille, certes, en opposition à l'obscurantisme, on bouge, on parle de débauche, de l'amour. Mais il n'y a pas ce côté revendicatif, par exemple, qu'a la chanson berbère en Algérie. De musique qui se faisait dans les fêtes et tout ça, moi, à ma connaissance, quand j'étais jeune, le raï, je ne l'écoutais que dans des milieux malfamés, tu vois, genre. Alors pourquoi pourquoi il y a des familles d'Oran qui avaient accès à cette musique et l'écoutaient en famille, et nous, Algérois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une musique. Elle passait pas le seuil de la porte. C'est une musique qui s'écoutait de manière individuelle. C'est-à-dire les gens faisaient des soirées, ce qu'ils appelaient la gassara ou la basta, qui sont canaillés entre eux. Et c'était une musique qui s'écoutait aussi dans les bordels. C'était comme le blues, c'était une musique de bafou. Il n'y a que là que j'écoutais, moi. Mais il y avait, dans certaines fêtes traditionnelles, comme les circoncisions, comme les mariages, où il y avait, juste pendant ce moment-là, une permissivité. Donc on faisait de temps en temps, il y avait le défoulement. On se défoulait. Comme on dit en arabe, drabou nah. C'est-à-dire,
Il vient d'un seul coup comme ça, il débarque en rond avec des jeunes qui viennent d'un quartier, par exemple, populaire. Ils chantent le ride comme ça et ils ont une popularité, ils ont des jeunes et maintenant ils vendent leurs cassettes. C'était une espèce d'agressant pour certains gens parce que c'était, oh, qu'est-ce que c'est ça, d'un seul coup, on dit une brique, n'acharpique. Et avant la télévision, on pensait que n'habha ou kdamna. C'était ça, à peu près, mais il fallait attendre 10 ans après pour que les gens comprennent Nebrik ou Vahid Berk, c'est la même chose. كان هو البرومي شونتور دو راي الشيخ الشيخ بوطيبة غنيت اوكان بروبليم مي بصح نهار اللي عمرت لاكاس محلى لي نوم كانوا يقولوا تيا كاين شي صغيره جون في تغني محلى لي نوم بالرا عربيه ويسري قوري Venu d'un homme, ça, ça passe, mais d'une femme à cas, et une gamine en plus, ça c'était pour une gamine. Donc une gamine qui chante le rail, donc c'était quelque chose de choquant. Mais pourtant, il y a eu des chanteuses égyptiennes qui chantaient le khamr. Le khamr, c'est chab. Mais ça passe, le khamr, ça passe. Mais tu vois la différence, c'est ça. C'est ça, même à la télévision, des fois quand on fait des interviews en Algérie, bon, on parle avec un journaliste, et pourtant je suis algérien, et alors quand je parle avec mon arabe, dialectal, moi je ne comprends pas l'arabe classique. Quand je parle, c'est quoi, c'est un peu... Moi je pense qu'il parle, on ne parle pas de cet arabe classique dans la rue. Là, mais dans la société, il y a une espèce... Non, dans la société, il y a un mélange. On veut toujours s'identifier aux Saoudiens, aux Koweïtiens, alors que nous sommes des Algériens. Le mouvement, si vous voulez, Kabyle, donc politique, etc., engagé de la chanson, il y a une autre chanson subversive, mais elle n'est pas politique. Elle ne parle pas de politique, c'est le rail. Parce qu'il parle d'amour, parce qu'il parle d'alcool, parce qu'il parle de liberté. Et je reviens à l'épisode de 86, une anthologie sur le rail à la Villette, où il y avait une chanteuse, c'est les Français qui ont dû l'imposer, c'était Cheikh Harimiti. On ne voulait pas qu'elle monte chanter. Mais on voulait que certains chanteurs rail viennent, mais pour chanter des textes très aseptisés et pas trop choquants, etc. Pour mieux récupérer cette musique et mieux l'étouffer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de rail, il y aurait eu de rail musicalement, etc. Mais la parole rebelle, on devait la vider de son sens. Mais malheureusement pour eux, ces gens-là, ils chantaient comme ils le sentaient, ils avaient un appétit de vivre extraordinaire, et tu avais beau leur mettre des règles et leur mettre des machins, ils allaient tu fermes la porte, ils vont par la fenêtre. Ça a été un peu une soirée un peu familiale et ensuite un peu cabaret à Oran, parce que c'est vrai, on n'a pas à Paris, c'est rare qu'on se rencontre tous dans le même endroit, et ça m'a fait rappeler un peu les cabarets là où il y a beaucoup de chanteurs qui chantent à Oran. Ouais. Le début, la fin. C'est ça. Non, mais après les chœurs, Karim. Après les chœurs. Non, 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 non,
Tu vois, c'est à la fin. Pour garder un peu cette chaleur de... C'était 10 minutes avant l'arrivée de tonton David. C'est là où j'ai préparé, j'ai écouté la chanson, Fugitive, et j'ai préparé la mélodie. Et ensuite, quand il est venu, bon, on s'est mis d'accord comment on va chanter, Bizafenas Le Hadro, Fugitive. Et après, j'ai commencé à écrire les paroles.